à tous, ça y est, vous l'avez beaucoup demandé aussi. La vidéo react du Battle 4, je suis avec toute mon équipe et plus encore, je suis avec les meufs des participants. La bonne chaise. Non, c'était faux, wesh. Ouais, ça commence, wesh. Tu peux commencer à me présenter? Mais va là-bas, quoi. Les femmes d'abord, merde. Ou peut-être, oui, comme tu es une femmelette, vas-y. Vas-y. On va commencer par Abby, qui a fait l'honneur de venir. En plus, l'ambiance, elle a dû être bizarre quand je dis ouais, bébé, tu veux bien faire la vidéo réelle? Non, c'est good vibes. Voilà, je suis avec mes gars, ça y est, c'est les Jackson, on les présente plus. Ça y est, vous voulez vous présenter encore? Michael, non, ça y est, c'est fini. Michael. Si vous voulez dire un truc, vous me dites ouais, pause, et je fais pause. Petite pause avant toute chose, avant de bien vous enfoncer dans votre canapé et avant de bien kiffer la vidéo, je tenais quand même à remercier le partenaire qui sponsorise cette vidéo et qui est nul autre que CyberGhost VPN. Du coup là vous vous demandez sûrement qui est CyberGhost VPN. CyberGhost est tout simplement un VPN. Il est l'un des leaders mondiaux de réseaux privés virtuels avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Moi personnellement j'utilise CyberGhost pour masquer mon adresse IP et crypter ma connexion, surtout quand je suis sur les réseaux Wi-Fi publics. Mais c'est pas tout, CyberGhost est l'expert du déblocage de contenu géo-restreint dans n'importe quel pays où vous voyagez. Je suis en Thaïlande et bizarrement, je peux plus regarder Family Business. Bah avec CyberGhost, bah t'as pas ce problème. Ils s'occupent de tout, des sites web, des vidéos YouTube ou des catalogues de plus de 35 services de diffusion en streaming comme Netflix, Hulu, Disney+, et plein d'autres, enfin t'as capté. Avec CyberGhost, vous pouvez trouver les meilleures offres et économiser de l'argent en changeant votre emplacement virtuel. Et tout est très simple et très lisible. Ils vous donnent un accès illimité à 7200 serveurs dans 90 pays, vous avez donc le choix. Ils ont également des applications pour tous les systèmes d'exploitation et un abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Histoire que vous puissiez le partager avec votre famille et vos amis. Pour ceux qui se poseraient encore des questions, CyberGhost est noté 5 étoiles sur Trustpilot par plus de 13 000 utilisateurs. Vous êtes donc entre de bonnes mains. Si vous êtes intéressé par CyberGhost, c'est le moment idéal pour l'obtenir parce que j'ai une réduction de 84%. Cliquez sur le lien dans la description et obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 1,95€ par mois. Vous obtiendrez également 4 mois supplémentaires gratuitement dans le cadre de cette offre absolument incroyable. Avec CyberGhost, vous avez une garantie de remboursement extrêmement généreuse de 45 jours et un support en français 24h sur 24. 7 jours sur 7. C'est donc totalement sans risque et vous aurez pleinement le temps de pouvoir tester le produit et de voir comment il répond à vos besoins de confidentialité et de sécurité. Alors commencez dès maintenant à protéger votre vie numérique, les gars, et je vous incite vraiment à obtenir un VPN CyberGhost dès aujourd'hui. Pourquoi reste au milieu, poteau ? Ils sont baisés, non ? C'est pas ça. Ils commencent. Non, commencez. Allez, s'il te plaît, Totoche. Je veux autant de chiffres que le poids de l'onné sur la balance. J'arrive dans le truc avec un chou de nonchalance. 4 boules noires sur la tête de chaise. Parfois je me demande s'il prend l'espèce. Evan est avantagé. Entre ses yeux, tu peux que. Tu es avantagé. Non, première explication. En fait, j'avais oublié le flow que j'avais écrit. Genre, j'avais oublié le flow en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait un truc improvisé et tout. Ouais, t'as raté quoi, c'est tout. Oli Disha, elle est satisfaite. Attends, mais pause. Wesh. Est-ce que t'as honte là? Hein? Oui. Non, c'est derrière toi, c'est derrière ton crâne. Non, s'il vous plaît, arrêtez, wesh. Même si la tempête, casse les têtes immobiles. Je fais des pirouettes avec ça de l'Oli. Ok, pause. Je parle pas de gymnase. Elle est pas là aujourd'hui, t'as quelque chose à dire à la caméra, Rachel. Elle voit, Rachel. Rachel. Un message pour Rachel. Ouais, ouais, ouais. Rachel, force, on est ensemble. Enfin, je veux dire... Attends, tu peux... tu parles de ta sœur, là? Wesh. Wesh, t'es con, quoi? Non, mais attends. Attends, c'était quoi? C'était Loni, ta sœur? Non, mais ah ok, non, j'ai mal lu, y'a rien. Attends, mais là, il y a recyclage de punchline là. Avec la panne sur Mr. V? Mr. V, humour, ça c'est... Ouais, ah ouais, ouais, si. Ouais, bon, j'ai oublié en plus, ça fait un peu beaucoup là. Attends, vous avez vu comment il a mis pause? Il attendait juste les explications, ce bâtard. Je sais même pas. Il a pas dit un seul mot, il a juste entendu Mr. V, il a mis pause. Moi, en fait, Moby, son problème, c'est qu'il crie tout le temps la même chose. Les autres, ils font des trucs un peu plus taille, Moby que ma taille. Wesh. Tatoche, je m'en fous, c'est drôle. Classroom qui arrive bientôt, vous allez voir. Hey, Totoche, il a pris sa revanche directement. Voilà. C'était bien. Vous allez voir. Loni, tu pues. Mais t'en avais rien à foutre. Non. Ouais, t'as dit que t'es dans une dictée.
dans une dictée, on fait une alinéa, je sais pas. Il y avait Lomi du plus. Normalement, c'est sujet à complément, moi j'ai mes sujets à complément. Lomi du plus. Lomi du plus, pour une petite douche, on a fait une raclette dans ta bouche ou quoi. Lomi du plus, comme ton vote, fais les locks, ça te va pas. J'aime pas le DSR, mais tu l'as pas. Comme un Vespa. Allez, la verra. Il avait un truc après, mais. Il avait un truc après. C'est moi qui t'ai gagné, je vois l'avenir. La petite fois, ça pique comme les cheveux de barre. Elle fait comme les yeux, mais c'est genre qu'elle écarte. Elle aime pas trop le livre, elle veut qu'on le fasse ailleurs. Elle veut un suçon comme vampire. Je crois qu'elle me kiffe plus que toi d'ailleurs. Samuel retient, c'est moi le meilleur. On m'a dit 5 fruits et légumes par jour. La meuf à toi, toi, j'aime envoie ses melons. Et tu vois, c'était pas. Hein, 5 fruits et légumes par jour. Melon, toi, je m'envoie ces melons. Après, tu crois que je te raconte des salades, ça fait. C'est un légume. Non, on en a rien à foutre de ça. Ah. On a compris. On a compris, on a très bien compris. On en parle à la meuf de Totoche. Ouais, les melons. Ah, ta meuf, je l'aime bien, mais je la connais pas, mais c'est la poteau. Genre. Non, mais en fait, comment ça se fait que sa meuf t'envoie ses melons? Evan, quelques jours avant, il m'a dit, mais tu sais que pour le truc de 30 minutes, je sens une aisance. Je sens un truc. Possiblement mon premier freestyle il peut laver les trois que j'ai préparé bien avant. Senti. Parce que la prod elle m'inspire. T'as vu de base, vous savez très bien, je pense pas sur des prods comme ça. C'est ça. Et là cette prod elle m'a inspiré de fou furieux, ça veut dire tu connais on les lave carré hein. Mais j'ai pas gagné, mais c'est pas grave ça. Je... Salaud. Tu m'en plus dans la sacoche, c'est vu tout à l'heure dans la chambre avec Moby. Ouais, story, non tu l'as bien. Wesh. Wesh. Non, quand il dit galoche, je pense qu'il voulait dire. Parce qu'en fait, avec Moby, on a inventé un check. Et des fois, on s'approche beaucoup. Voilà. Et du coup, et de loin, il a pas bien vu. Voilà. Wesh. Mais c'est bizarre parce qu'il y a un truc sur TikTok qui tourne. Ouais, vous deux là, vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre. Vous trois, ouais. Comment ça, vous? Non, c'est vous deux. Non, moi, je suis pas dedans. Non, je suis pas dedans, c'est bizarre. Wesh. C'est deux bigorneaux pour la paire. Evan est tellement grand que toi, je n'ai pas besoin de s'agenouiller pour les chiffres. Attends, ça m'épose. Comment ça? Je sais pas. Vous pouvez faire la tête. Vas-y, vite. Ouais, vite. Je me suis blessé en bas. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Non, mais c'est pour. Refaire ce qu'il a. Non, mais debout, wesh. Non, mais mets-toi à genoux. Hein? Assis-toi. Petit, j'arrive pas à le rouler. Quelques fois, il voulait rendre les coumets. Elle se défendait comme un coumé. Regarde, en fait, là, il savait pas ce que c'était un makoumé. Il me dit, chef, c'est quoi un makoumé? Après, bon, je vais pas dire devant la caméra. Je lui dis, c'est elle. Après, elle m'a dit, Il pose au territoire. Moby, j'arrive pas de le goumer. Il se défend. Voilà, vous savez très bien pourquoi il n'y a pas cette partie-là. Voilà, ouais. Vous savez très bien, vous connaissez la story. Voilà. Moi, je ne veux pas en parler. Moi, je dis pas son nom en vidéo, c'est terminé. Non, c'est, vous savez très bien. Voilà, maintenant, c'est chill. Non, c'est mon gars maintenant. C'est chill. Elle grenait comme tu dis à pompe. C'est le fond d'un pique que tu pompes. Tu sais qu'elle est même a dit qu'a priori. Pose. Non, mais la vanne est incroyable. Non, ok. Les jeux de mots de malade. On devait caler un acteur. Terrible. Acteur DiCaprio. Elle veut ma dick a priori. Incroyable. Incroyable. Merci. Merci. Faut assumer. On arrive à deux sur le deux temps, mais si le nid monte, ça rend plus de temps. Ils m'ont dit, ils croient que c'est ton truc qu'on arrive sur le deux temps, wesh. Ah ouais? C'est mon truc, wesh. Non. Ah ouais, tu te l'es réapproprié, bâtard. Bah, tu connais, on... Incroyable. On fait le truc des refs. Eh, cette punchline, elle est incroyable. Quand il a dit, j'étais choqué. T'es malade. Notre action, elle est incroyable. C'est vrai. Mais 4. Eh, il est trop fort. Non, mais sachez-le, genre, vraiment. Et vraiment, tu n'as aucune race. Elle le chante devant moi. Dès qu'on entend ça. Elle est en train de cuisiner. Et on arrive deux sur le deux. Ah ouais. Ok, à l'aise. Retiens bien. Elle fait ce qu'on crée, puisqu'elle a fait ce que Bayard, quand on touche ses titules.
Unique des balles, les chiffres pour Hercule. Top toi, tu ressembles à une grosse testicule. Et Val, tu ressembles à un gobelin qui va foutre le château. Non, maintenant, j'ai envie de dire un truc. En vrai, de vrai, sort de mon cœur. D'ailleurs, arrête de rigoler doucement. Il est trop agressif. Moi, Loni, t'as eu, je t'aime bien. Mais t'es pas obligé de rigoler tout le temps, toutes les blagues sur moi. Parce que les blagues des autres, tu rigoles pas trop. Et quand c'est moi, tu rigoles. Ah bah, c'est drôle. Pourquoi il a le seum? Wesh, je rigole. C'était lourd. Mobi, c'était grave drôle. Toto, je me tiens comme ça chez de. Ah bah oui, c'est bah, marrant, c'est frère. Ouais, c'est drôle. Wesh, il a le seum. Eh, attends, quand c'était des vannes sur moi. Des... Ah, non, là, fallait voir comment il était sous sa serviette. Hein. Ah oui, monsieur. T'étais trop chaud. T'étais trop chaud. Imprenable. Arrêtez, wesh. Là, tu parles un peu trop des fesses de chaise, toi. Ouais, de ouf. Hein? Ouais, j'ai parlé d'une fois, wesh. Vous savez pourquoi il faisait du foot maintenant, tu vois, dans les vestiaires. Dans les vestiaires. Lui, c'est vrai, il prenait sa douche. Il partait jamais sans prendre sa douche. Même quand il fait pas les matchs, hein. Non, non, toi, tu te touches. Ah, ouais, c'est bon. Elle est l'hygiène, le coach. Elle coach, Bobby, sa lumière et tout. Le coach, il a fait tout. Elle m'a tous les mobiles. Elle m'a tous les mobiles. La poussée, elle a fait tout ça dans le jeu. Il est fou. Mon poteau, c'est déjà la meuf de ta meuf. C'est la kitchen. La kitchen, au fond, va aller comme le dista. Si ta meuf sort avec toi, c'est parce qu'elle confond avec qui il vit. Ça rime même pas, wesh. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, j'ai mal, c'est baisé, ouais. Il y a un gros plume sec, mais j'ai pas dit Jacques a dit. Il a un gros bondard comme la pivelle, Charbonne dit. Sur son fiac, ça a rebondi. Attends, le pote, ça c'était bizarre, ça. Non, j'ai dit, elle a un gros fiac comme la pivelle, Charbonne dit. Et pour ça, quand t'es moins de pis, j'ai dit Gomino beat. Ouais, mais y'a quoi dans ta tête? Non, mais y'a quoi dans ta tête? Non mais c'est l'attaque de Luffy. Gomuno Sur son fait, t'as rebondi. T'as rebondi, genre, il dit... On a compris. On a compris. T'as bien parlé de sexe dans tes cris. Ouais, c'est trop bizarre, ouais. Hein? Wesh, là, sous mes lèvres en jet ski. Touche ton rire, je fais des coups de mon One Piece. Elle lèche mes deux poules en sexe. Elle lèche les sucs pièces. Loni, ta grosse trou pour le sosie de Riri. Il est bon, comme sa tronche, même la partie Riri. Elle est trop forte. Dans ce temps, c'est pire, il a pas dit. Il voulait la faire en mode guerre. Il voulait me la faire. Il voulait se la faire. En plus, il a dit dommage en mode. Il a le seum. Wesh. Wesh. La sœur des vannes qui m'a bagué, donc elle m'appelle le boulanger. Elle est nulle en levrette, elle sait pas cambrer. Son dos fait une boule, donc je l'ai mangé. Voilà, passe. C'est ma chaise aussi. Non, la punchline est incroyable. Ah, c'est bien. Mais vous savez, il y a plein de gens qui n'ont pas compris la punchline à ce moment-là. Je me suis dit, wesh, qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, quoi. Mais en fait, moi, quand j'ai eu l'image dans ma tête. T'as eu l'image? Genre, je sais pas, t'es parti la chercher où cette punch? Tu sais, carrément, j'essaie de me rappeler la punch. Et même moi, j'arrivais pas à faire le lien. Blanchir. Ah, t'as pas compris? En gros, regarde, je vais t'expliquer. Donc, du coup, je dis, la sœur des vannes qui m'a baguette, donc elle m'appelle le boulanger. Elle est nulle en levrette, elle sait pas cambrer. Son dos fait une boule, donc je la prends en G. En fait, la position qu'elle a fait la forme d'un G. Maintenant, regarde, comment t'as fait. En fait, elle sait pas cambrer. Ah, j'ai compris. Non, mais vas-y, parle français, comment ça t'est mis en tête, frère? J'allais dire bien gris, nous. Ouais, bizarre. Les gens racontent qu'on a l'envers les bris, ils voient Corbeil et Somme. Mais ils voient Paris quand ils voient vers Boston. Les connards quand ils se barrent à London. Il est 30 mètres. Du coup. Il attend juste que je fasse les SO. J'ai récupéré la punchline de Totoche qu'il avait sorti sur le 3 pour du coup refaire rajouter un truc à ma sauce.
et faire les points cardinaux. Chess, t'es couru stop. On dirait un serveur Ross. Excuse parce qu'il a lâché deux euros. Mais on semble Rick Ross. On dirait un catcheur, mais sur Instagram, je suis plus mystérieux. Quand je suis toi dans un featuring, on dirait Batista et Rémi Sérieux. Mais ce qui me pense que ça me ressemble à Adrien Na 42, mais elle ressemble plutôt à Jim Labeu. Ce soir, on sera à l'hôtel, tu toqueras à la chanson 142. Je pensais qu'il finirait la vie à deux. Maintenant, il lui dit adieu, moi je la casse en deux. Maintenant, il appelle les numéros 12. Si tu t'es fait cocu, appuyer la touche 2. J'ai pas tout qui comme 6-9, mais j'ai vu la même débat sur un 6-X. Je veux la prendre du spé en 6-9, mais j'ai vu que la game pratique le 9-6. J'ai croisé des bandes de mayonnaise, pas un tiki qui n'a que un. Eh non, non, t'es trop technique. Oh non, technique en de ça, c'est technique en ça. De technique de fou. Wesh. Là, technique. Wesh. Là, en vrai, heureusement que ceux qui ont vu le battle, ouais, ils avaient les sous-titres. Ouais. Parce que nous, on était focus. Donc nous, on a capté les punchlines. Mais pour ceux qui sont pas vraiment dans le truc et tout, c'est hyper technique. Un fan, je vais vous dire, c'est si moi, mais 8 ans d'ossé, c'est la gochette parce qu'elle est habituée. Habituée. C'est la gochette parce qu'elle est habituée. Ouais, mais du coup, habituée. Mais vas-y. La gossette, elle est habituée à quoi? Elle est habituée à quoi? Elle est habituée à quoi? Habituée à quoi? Elle est habituée à quoi? Tu fais un trou au coussin, là. Belle, genre, c'est pour moi. Mais ça répond pas à la question, genre, c'est trop bien. Hein? Moi, je me mets pas play tant que t'as pas bien répondu. Habitué, en fait, je faisais une référence à habitue-toi, oui. Ah, pourquoi? Mais explique, c'est pas fini, genre. C'est pas moi. C'est quoi le rapport entre habillé? En fait, non, parce que. Hein? C'est. Non, wesh, à l'aise, c'est pour. C'est les lyrics, wesh. Allez, vas-y, zap, t'inquiète. Ouais, tribunal, ouais, ouais. Chess, il est vieux, elle se prend tout rack. Vision comme Evan, j'active le bien couvert. Ça me vient du coup. Chess dans 10 chamais, son bâton. Wesh, mais qu'est-ce que t'as pris? Attends. Wesh, attends, toi, j'ai dit ça. Explique-moi, qu'est-ce que t'as pris? Parce qu'en fait, Chess, parce que je crois au rap battle avant, il avait dit un truc sur toi et tout. Donc, du coup, après, j'ai. Ah, tous les c'est parti. Ouais. Oui, ça, c'est parti. C'était le seul qui avait sorti son blaze. On aurait tous été. On serait tous portés tranquilles s'il n'avait pas sorti son blaze. T'es un chien, toi. C'est vrai, ça. Salaud. T'inquiète, la vidéo box des battles, alors refaire, je vais te niquer. Wesh. Là, wesh, bien. Après t'as pas on va dire dans les vidéos t'es vulgaire. Wesh. Wesh. J'arrive chez elle sans toquer. À la fin du bail son dos est bloqué. Moby est fort, c'est ce qu'il croit. Mais à son règne, je suis venu mettre un terme. L'Oni gros port, Moby connard. À la maison, c'est la foire à la ferme. Ok, ouais, ouais. Voilà, okay. En fait, voilà, explication. En fait, je voulais dire L'Oni gros port. Moby canard. À la maison, c'est la foire à la ferme. Et là, j'ai dit connard parce que j'ai eu peur un peu, tu vois. Le stress, le stress. Le stress, allez. Le stress. Écoutez. C'est ça, les Loni, je disais. Tu peux rigoler et tout. Ah. Non, mais ça fait rire. Ça avait tellement pas de sens. J'étais KO de rire. Non, mais attends, à quel moment tu t'es dit, je vais comparer un sachet de levure? Ouais, tu faisais un gâteau, tu faisais quoi? Je sais pas. Dans ce freestyle, je vais dire que du bien. J'en ai marre de les vannes et mes garçons trop soin. Totoche est bien beau, un esprit de qualité. Chess, il est stop, donc je vais pas le vanner. Samuel, c'est trop mon gaba, même si toutes les vannes sur moi, ça m'a gavé. Loni m'a fait monter comme un trampoline. T'inquiète, j'arrête de vanner ta petite copine. Totoche, j'ai tout petit, je suis pas sérieux. Mais bon, c'est comme... T'as vu, j'ai dit, t'inquiète, j'arrête de vanner ta petite copine. T'as vu, je suis gentil, wesh. Tu sais, mec, en fait, j'étais tellement à fond dans ce que tu disais. J'étais tellement concentré. Parce qu'au début, la toute première phrase que tu dis, je crois, c'est je vais pas vous vanner. En fait, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il va faire pour nous surprendre? Parce que depuis le début, tes freestyles, j'ai toujours kiffé, tu vois. Je me suis dit, wesh, qu'est-ce qu'il va faire? Où va être la chute? Moi, je pensais que t'allais faire un freestyle genre grave. À la base, je voulais faire un freestyle 100% que du bien, mais je me suis dit, comme ils allaient me vanner, je pouvais pas. Moi, c'est ça, je pensais. Je pensais qu'il allait faire aller à l'envers du truc et nous dire que du bien sur nous, genre. Et franchement, t'allais nous prendre un contre. J'allais être ému de ouf. Là, j'étais ému, là. Au début, j'étais comme ça. Au début, je disais, ah, quand même, j'étais touché, wesh. C'est pas un gala mais elle veut un bangala. Je veux qu'elle me touche en bala. Elle fera confiance à sa salade. Je veux pas que je dois voler sur l'escalade. Loni appelle sa copine, elle répond pas. On parle pas la bouche pleine. Et celle-là, dis-toi que sur Twitter, non, je suis désolé. Non, en vrai, dans celle-là, c'était gratuit. J'étais vraiment désolé. Sois bien désolé. Ah, c'était... Non, elle était bien celle-là. C'est son crâne devant moi là. Non. Là, c'était archi drôle. Non, c'était drôle, wesh. Ça fait 3 jours que la meuf de Chess m'appelle. Elle me fait trop de la peine. Elle me raconte ses problèmes, genre ta mauvaise haleine. Parce que ton gag est plus court que tes dreads. Elle en a marre que tu portes tes battles. J'ai consolé. Wesh, elle a rigolé fort. Elle a rigolé fort. En mode, c'est vrai, wesh. La vie de ma mère, j'ai tout cassé. C'est réel, hein. Regarde sa tête, il est dégoûté de ouf. Depuis le début, on n'entend pas trop. Là, ah ton zizi là.
Le battle de rap 3 était une erreur de parcours, mais c'est pas grave, je passe outre. La sœur d'Evan rêve d'avoir des gosses plein de talent, donc je lui ai offert ma foutre. Tu sais que ma sœur elle a 12 ans, genre. Hein? Tu sais que ma sœur elle a 12 ans. Elle a vu? Hein? Non, elle a pas vu. Ah bah j'espère. Mais elle a 12 ans, genre. T'as quoi à dire? Bélec coupé au montage, hein. Problème de connexion là. Wesh. Elle a 12 ans. Donc t'as dit tu. Elle a 12 ans. T'es pas comme il a pu dire. C'est donc ça votre Loni? Coupez au montage. C'est ça Loni? Ouais, moi en tout cas je tiens à souligner un truc, j'avoue tailler son rêve ça doit être dur et là tu l'as bien fait. En fait vraiment c'est ça le truc, c'est que on s'était mis d'accord même par rapport à ça, c'est genre en mode bah nous on a plus de dossiers à lâcher et ça peut être vraiment virulent, ça peut être vraiment méchant. Et ça a été le plus compliqué. Donc, t'as bien géré ça. Il m'a bien mané dans les règles, il m'a lavé. Fais moi le crâne, on a coupé tes petits bourres et tu es Thanos. Mon but à gauche d'un mec toxique. Écoute, dis, F la sac de touche, mais au final, la stick magique a dit. Tu vas me long, t'es mec, grosse tête bâtard, tu sembles un père. Elles sont plein d'hydro nul. Tram, gram, boulimique et kilogramme. Et la meuf de Loni en missionnaire, elle perd son âme. Ouais, hein. Mais toi, t'es choix sur moi, Totoche. Mais non, mais j'ai pas. Non, mais vas-y, parle-moi. Mais j'étais pas taillé là, j'étais Loni. Ouais, arrête de faire des textes sur le sexe, les gars. Mais c'est bon, on parlait de là, ouais. Mais à chaque fois, toutes ces stories, même quand elle était mise toute sa vie, il parle de meuf alors qu'il a pas de meuf. Non, non, par contre, dans tes textes, tu parles beaucoup de ça aussi. Tu parles beaucoup de ça. Ouais, je fais scier dur comme une armure, tu vois, c'est quoi ça? Ouais, j'ai fou, quoi, lui. Non, lui, il aime bien parler de sexe, j'ai pas parlé. Dans toutes les musiques, Totoche, Totoche, dans toutes les musiques qu'il fait, il y a toujours le mot zizi. Il y a toujours le mot zizi. Arrête, frère, wesh. Ouais. Evan, attention. Non, mais en même temps, je suis connu, c'est navigation. Je m'étonne. Navigation privée, tout ça. Pour revenir sur le truc, la meuf de chaise, parce que t'en as plein, ils sont venus me voir, ouais, mais est-ce que, ouais, c'est encore ce qu'il a fait Totoche, mais Totoche, il m'avait bien appelé avant, il m'a pas dit le refrain en question, mais il m'a dit, est-ce que, genre, je peux y aller un petit peu fort et tout. Je lui ai dit, gros, là, c'est pas notre freestyle, on est pour se vanner. Je lui ai dit, gros, vas-y. Moi, pour moi, c'est vraiment nos limites, genre, vraiment. Le plus important, et ça c'est moment sérieux, c'est que nous on se permet de se tailler comme ça parce qu'on se respecte et on se kiffe mutuellement. Voilà. Et il y a un respect commun et on sait de ouf, tu vois, c'est pour ça qu'on se permet de faire ça. Quand vous connaissez pas les personnes, nous fermez là, frère. Fermez vos bouches. Ça vient nous voir dans la rue, ça ressort des punchlines. Ok, c'est drôle, mais quand c'est vous, comment ça trouve vous impliquer dans les vannes? Wesh. Non, parce que. N'hésite pas à le redire parce que vraiment il y a des gens qui ont pas compris mon message de force. Ils veulent pas comprendre, il y en a toujours pas regardé. Non, parce que genre en fait, t'as des punchlines, elles sont cute, elles sont drôles, elles sont marrantes, mais t'as des punchlines entre nous, elles sont hardcore, elles sont salaces, elles sont sombres. Donc quand t'as un petit de 12-13 ans, il arrive, il sort la punchline salace, comme si c'était lui qui te sortait l'insulte. T'as envie de le gifler, voilà. Non, qu'on se le dise. C'est hors contexte, y'a pas de contexte. Voilà, et voilà. Même vous nous connaissez, voilà, on est derrière, on rigole, on se taille, tout ça, mais il doit y avoir un respect, surtout à la première approche, que ce soit même en DM. Vous respectez un peu et tout, faut doser, tu vois. Vous êtes tout seul dans vos chambres et vous envoyez ça, et vous trouvez drôle tout ça, mais nous, faut savoir qu'on reçoit un effet de masse. Et tous ceux qui nous envoient en DM vos textes sur nous, genre. Ouais. Ça, faut en parler. J'ai un texte sur Loni, tu veux écouter? Ouais, j'ai un texte sur toi, je t'ai banné, je peux te le faire. Y'a pas de ça, je vous le dis tout de suite. Faut juste doser un petit peu. Parce qu'il y a un effet de masse, on est là et vous le voyez pas forcément. Je suis pas cheater, elle veut que je mette mes boules dans ses trous, on fait du billard entre ses œufs. Elle veut que je la caisse, pourtant c'est pas Barbie. Les punchlines sont bien garnis. Mon médecin m'a dit de ne pas souffler trop, c'est lourd. Du coup, je pisse assis Loni. C'est quand que tu cannes, tu te fais bien dans ce bâtiment. Moi, ça, j'ai toujours dit, Evan, il a une manière de décrire et de voir les mots. À l'époque, par exemple. Ouais, il a un truc. Il a un non, souci. Non, ça, c'est pas pour souci. Oh non, il est fort. Non, il a un souci et il s'en sert pour faire ses punchlines. C'est pas possible. Moi, j'ai vraiment, je suis con, mais. Non, mais mec, t'es trop fort dans ta connerie, c'est pas possible. Il est différent. Bien dit, c'est ça. Il est spécial. Ça, c'est vraiment la phrase pour pas choquer, genre. Il est spécial. Vas-y.
C'est vraiment qu'il a son truc. Il est dans son domaine. Ça, c'est le début d'une phrase pour t'emmener en zep. Ah ouais, frère. Il est dans sa bulle. C'est bon ambiance. Ton front est aussi long que celui du Mou. C'est trop marrant, ça. Attends, on m'envoie un DM et tout. C'est trop marrant. T'as vu le front de la poteau, frère? Oh, c'est grave. Pourquoi les dessinateurs ont pas un gros poignet? C'est grave, c'est grave. Oui, dans sa cave buccale, je pénètre. Tout est une question de taille des diamètres. Je sais des gars et des gars comme télé. Je la tèche par la fenêtre, je vais vous dire. Il y a toujours des gens qui passent. Mais j'étais à fond. J'étais à fond. Il était des diamètres. Il était impliqué de fou, obligé, wesh. Aussi pour que le bout de mon biche, je vais te mettre dans de l'usurie sain. J'ai mis la lumière sur vos gueules, mais matin, midi, soir, les gars, je vous ai. Attends, non, ça, moi je suis même pas fait. Comment toi, Etion? François, Etion? Comment toi, ouais. Non, t'es là, t'es yo, mais. Non, wesh, non, mais. Il est yo. Qu'est-ce qu'elle est conne, ouais, qu'est-ce qu'elle est conne? Putain, mais qu'est-ce qu'elle est bonne? Bande de PUTE. Aujourd'hui, je suis PUTE. L'art de craft n'est pas bon, mais je m'en fous, je suis pas Molière. Mais ça n'empêche pas que vos meufs me la bouffent même quand elle est Molière. Il a bien fait de ouf. Il nous a tous pris à contre-pied. Ah ouais, ça c'était trop marrant. Tu sais pas comment j'étais KO? Non, j'étais mort de rire, wesh. Oh non, j'étais mort de rire, wesh. Ni deux, je passe mon caleçon Léopoldo. Elle se met à quatre pattes, mais elle comprend mal, donc je lui mets un coup de coude dans le dos. Ça c'est dingue. Ouais, c'est Odo, c'est dingue. Jamais fait ça. Attends, je prends ma respiration. Je deviens de plus en plus une inspiration. La peau à Evan, à un autre feu. Quand je rentre dedans, c'est pause. Il a pas respiré du tout. La suite est encore plus incompréhensible. Il a fait genre, attends, respiration. Je suis dans le mal, ouais. Il a rien pris du tout. Je me suis rendu compte que mes trucs, ils puent la merde. C'est-à-dire, pendant que ça, j'ai réfléchi. Mais moi, normalement, quand tu dis attends, ce que t'envoies après, c'est lourd. Il dit attends, je me suis pas souri. C'est trop, wesh. Putain, c'était le dernier freestyle. Eh, franchement, vidéo react de fou. Je pense que vous l'avez constaté, il y a vraiment une cohésion de groupe et il y a un truc dans cette vidéo qu'on pourra probablement jamais recréer. On s'entend tous hyper bien. Il y a vraiment un truc qui fait que moi-même, même si j'invite d'autres personnes, je sais qu'il n'y aura pas ce truc-là. Je pense qu'il faut savoir aussi s'arrêter. Genre, ça sonne comme un clap de fin. Peut-être qu'il y aura un 5, je sais pas. On avait eu cette idée de le faire sous forme de concert ou un truc. Peut-être qu'on fera un jour, on sait pas. Pour le coup, c'est vrai, l'évolution du 3 au 4, elle se ressent pour tout le monde en fait. Est-ce qu'on sait trop? Et là, on a nos. C'était tellement attendu. La manière dont, en fait, on a fini nos freestyles, Moby qui finit en afro et tout. Il y a trop un truc qui fait que c'est pas possible qu'on fasse mieux. On m'a dit, ouais, battle de rap en équipe et tout, c'est sympa, c'est cool, mais tu vois, il y a Clash Room. Mais t'as vu l'ampleur du truc, c'était incroyable. L'ampleur du truc, c'était incroyable. Après, même si c'est pas battle de rap Freestyle 5, là, les gens ont vu que chacun, il y avait pas mal de musique, pas mal de rap. C'est ça. Donc voilà. Il y en aura toujours, il y aura toujours des trucs. Il y aura des concepts, il y aura du Freestyle, il y aura de la vanne, ou que ce soit. Il y aura toujours. Il y a des Jackson, ouais. Michael Jackson. Jackson 5, vous recrute pas. Tiens, une fois de plus, à remercier notre sponsor qui est CyberGhost VPN. Merci une nouvelle fois d'avoir rendu possible cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix dépassant toute concurrence, découvrez l'offre dès maintenant, tout est en description. Et obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 1,95€. Par mois. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était Loni, portez-vous bien, il y a énormément de choses que je prévois de faire pour 2022, restez aux aguets, n'hésitez pas à mettre la cloche des notifications pour être au courant de toutes les sorties de vidéos, il y a de grandes choses, bon, un peu comme chaque année, hein, oh, ça va arriver, je vous ai jamais menti, cette année on a eu de belles choses quand même, 2022 ça va être tout aussi incroyable, voire plus, on sait pas, allez on se dit à la prochaine, d'ici là, portez-vous. Oh, si c'est la si c'est la démonétisation. Démonétisation. Ouais. Loni. Un. C'est pas ta raison failli niquer ma sasem. Un. Ils pontègent comme Bassem. Un. YouTube.
problème, toi. Oh, non, wesh. Hey, hey, c'est la fin de cette vidéo. Ah, je transpire, j'ai pas mis de déo. Si je voulais, je vous prends de haut. Il fait chaud, t'es malin, météo. Putain, je vous prends de haut. Hey, ma mobi, c'est le rigolo. Attends, attends. Hey. Blanc, noir, Oreo. Toi et moi dans le lot. On est tous des négros. Coupez, et on va manger. Et c'est une bonne tournage.